Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Actuellement dans New York, 15 octobre 2023. Ça veut dire qu'il commence à faire froid à New York. Nous sommes ici pour participer, pour apporter notre soutien à cette initiative de quelques Haïtiens évoluant aux États-Unis et du groupe ZAFEM pour organiser une soirée levée de fonds au profit de Wanamet, précisément au profit de la construction du canal. Le canal de Wanamet, c'est tout un symbole, pratiquement un réveil de la conscience nationale. Qui ça mène nous là, la cause de ça, la cause du canal là, avant que nous arrivions là, ça parle pas c'est pita, la levée de fonds ça, et l'important pour nous faire c'est camper. Relation Haïti avec la République dominicaine, c'est il faut bien, un pile jeune, juste à répéter, KPK, et puis, il y a un pile bail que nous ne pas comprendre. C'est évident que nous avons fait des recherches pour nous aller de façon beaucoup plus approfondie, pour nous permettre de trois jeunes comprendre ça qui a passé. Pour le présent moment, c'est New York, c'est ramasser l'argent, mais nous, on fait un petit rappel rapidement. Ça veut dire que il est très important pour nous connaître que la République d'Haïti et la République dominicaine, c'est toute une histoire. Histoire qui a commencé en 1697, 1697, avec le traité de Ryswick. L'Espagne reconnaît à la France la possession de la partie ouest de l'île, qui sera alors nommée l'île de Saint-Domingue. À partir de 1697, il l'a séparée en deux, l'île de Saint-Domingue, et la partie ouest est accordée à la France, et puis l'autre partie elle-même est accordée à l'Espagne. Bon, histoire qu'on commencer à partir de ce moment. Et nous parlons de frontières communes. Et généralement, pays qui partagent frontières et toujours des relations assez conflictuelles, donc, comme on dit. Et il est valable pour les États-Unis et le Mexique, il est valable pour la France et la Belgique, et notre cabaye en pile l'autre pays là. Ça veut dire que toujours il y a des difficultés dans le dossier ça. Et donc nous-mêmes nous avons fait exception à la règle entre Haïti et la République dominicaine et une histoire passionnante qui a débuté en 1697 avec le traité de Ryswick. Donc période ça c'est pratiquement et début histoire ça, une histoire passionnante. Deuxième fait marquant qui parle entre deux pays sérieux c'est en 1822. En 1822 et Haïti parle occuper la République dominicaine. En plus, l'historien, ouais, c'est pas une occupation, c'était plutôt une annexion. En effet, par rapport à tout les débats qui étaient en République dominicaine, son éventuel rapprochement avec la Colombie, il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord en République dominicaine. En République dominicaine, il y a des gens qui croient que l'annexion et toute île là, en seul espace, et ce serait peut-être la meilleure solution. Occupation ou annexion, bon, ça c'est l'autre débat, c'est les historiens et qui peut-être capables de plus d'explications sur ça. Et ce qui est certain, les opinions divergent en ce sens. Donc, il est clair qu'il y a un pile dominicain qui n'est pas confronté à cette fête-là, mais il est évident tout que il y a un pile monde là et dominicain qui était confortable avec ça. C'est ainsi que le 9 février 1822, à Santo Domingo, au milieu des acclamations d'une grande foule, des bruits de canonnades et des carillons des églises, le président Boyer a été accueilli triomphalement et par Núñez de Carrizales et qui lui a présenté les clés de la ville. C'est pour vous dire que c'est pas comme si Zam qui t'a tiré les force haïtienne, notamment en République dominicaine, son bail qui était fait en douceur avec une population dominicaine qui t'a acclamé Boyer. Mais je nous dis, c'est pas tout le monde qui était d'accord. Et c'est ça qui fait que c'est un moment dans l'histoire de pays ça qui était un goût amer dans la bouche en pile dominicain, la période de 1822. Ça, c'est un autre fait marquant dans l'histoire de pays ça. En avance. Troisième fait marquant qui peut concerner nous journée aujourd'hui, parce que la fête la place là, c'est côté nous aujourd'hui là, le débat nous y a là, et c'est là souvent que fait qui pis enragé souvent l'histoire du peuple cerveau. Pour le fait en 1937, le massacre des Haïtiens de 1937, aussi connu sous le nom du massacre de Persil,
et son ensemble de meurtres en octobre 1937 pour être précis, après la décision du président Trouillot, Raphaël Léonidas Trouillot, et non complet monsieur, d'éliminer physiquement les Haïtiens travaillant dans les plantations du pays. Donc, on va vous entrer dans trop de détails. 1937, massacre des Haïtiens. Exactement, on prend pile quoi Haïtien, ça y a la guerre dans la rivière. Et c'est ça qui parle de la rivière, non ça, rivière massacre. Il parlait de plus que 20 000 Haïtiens qui mourent, des gens qui arrivaient jusqu'à 30 000 Haïtiens, éliminés physiquement, coupés tête, et de bagailles atroces. Ça, c'est peut-être page qui pinoie l'histoire. Et pays ça, et rivière ça, qui détermine l'histoire ça, rivière massacre là. Et c'est rivière ça qui alimentait sur les débats qui gagnent jour et jeudi entre les Haïtiens et les Dominicains pour mener nous l'histoire canal ça KPK canal Pape Campé là la cour en amet il y a peut-être quelques mois de ça une équipe haïtienne ou équipe moun wanamet décidé que il y a continuer construction canal là et pour alimenter plantation là wanamet donc son mouvement qui gagne en pile par l'empile la donne et qui est très mal accueilli par nos voisins de la République dominicaine, notamment par le président actuel de la République dominicaine. Habitant Wanamete, c'est Wanamete ou bien Wanametez. Ville ça fondée en 1731. Ancien nom ville ça c'est Wanamentos, un nom indien. Fête patronale, il fête l'île le 15 août. Donc son ville agricole qui a un pile potentiel la donne et c'est là causé aïe l'un dossier canal. L'équipe haïtienne en New York a choisi pour mettre tête ensemble, ça fait un pile côté, un coup de chapeau pour Miami tout, avec le groupe classe qui la veille fait au lever du fronto pour Wanamete. Et New York City réagit jeudi à la 15 octobre, la New York, avec le groupe Zafem, on levé de fonds encore pour Wanamete. Nous choisissons pour nous supporter ce qu'on fait là, nous pas à tous côtés ensemble. Donc c'est New York, nous, je dis, nous allons regarder qui gens ça passé. Nous en plein le reportage là qui commençait, côté que un peu plus tard dans l'après-midi, la presse nous a parlé avec deux trois Haïtiens pour nous comprendre la vision, yo, qui vient comprendre ce qu'on passé Wanamete là, qui vient comprendre le slogan KPK. Nous-mêmes, l'alternative plus, nous persistons, quoi que c'est une bonne chose que, enfin, nous sentons que nous avons des actions concrètes qui sont posées par des artistes haïtiens. C'est notre secteur, il est important pour nous sentir que nous sommes utiles, soulever le grand débat national. Donc, c'est une très bonne chose, nous avons un pile d'artistes haïtiens, tant qu'on a une alerte qui est très active actuellement au niveau de Wanamete, tant qu'une classe qui fait soirée hier dans Casa Champette, tant qu'on y a l'eau qui font donation, tant qu'on WID qui font l'autre donation, et récemment nous avons déjà écouté sous place là, et dit François, c'est une bonne chose, c'est très bien jusqu'à Zafem aujourd'hui. Mais avant que nous allions plus loin dans le reportage là, nous avons été persuadés que la meilleure attitude c'est que tout secteur a mis tête ensemble pour nous faire un événement d'envergure. Et qui est capable de ramasser gros l'argent qui est capable de nous construire de l'autre canal, si nous sommes capables de dire comme ça. Je pense que c'est important. Je pense que si nous prenons tout jazz, tout artiste, et nous mettons ensemble son seul podium, l'envoi parce qu'il prend 20 000 personnes, 30 000 personnes, l'argent tombe, nous allons ramasser 1 million de dollars, nous allons ramasser 2 millions de dollars. Le projet Haïti, ça, on essaie de plus grand, on essaie de plus ambitieux. Et on essaie enfin de montrer que nous avons une capacité pour nous mettre tête nous ensemble. Comme je le dis, ces actions isolées, c'est une bonne chose. Je choisis de le dire à l'intérieur de ce reportage, mais je pense que la meilleure solution, la meilleure des choses serait que nous mettions tête nous ensemble et puis pour nous faire un bagage qui est plus gros, côté que nous parlons des millions de dollars. Je pense que nous sommes capables de faire ça. Et je crois que c'est important pour nous faire ça. En avance, nous allons regarder qui j'en sais pas si pita. Merci tout le monde. À votre avis. Présentement le long Uber là et dès qu'il est là il est exactement 5h23 minutes et nous sommes sur route pour aller à Melrose et qui a accueilli l'événement et New York là son côté qui est extrêmement désagréable à faire blocus et nous l'embouteillage mousse en espérant que nous puissions arriver
Allez, pour nous capables de recueillir le plus d'informations possible pour nous partager avec nous. Donc 5h23 minutes en route pour Melrose. 6h15 minutes nous devant Melrose là. Et comme vous avez pu le voir, comment c'est que mon cap fini. Et ça s'annonce plutôt bien. Nous prenons un commentaire en pile monde. Nous avons un pile motivation autour de canal là. Nous espérons que cette motivation va continuer. Il y a un pile message positif que nous avons envoyé pour Wanamet. Donc un pile l'amour pour Wanamet, un pile compassion pour Wanamet. Et des témoignages de fraternité, des témoignages de solidarité de un public qui a venu timidement. Ce n'est pas une soirée ordinaire, ce n'est pas vraiment la fête. C'est un prétexte, une occasion que Zafem prend pour les ramasser l'argent, pour Wanamet, initiative qui méritait support tout le monde. On continue avec Jazap avancer et puis de temps en temps, on vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Merci. Comment vous prenez l'affaire canal là? Oh wow! L'aime tes premiers welling de penser son job. Parce que je me dis comment ou pas. How you say stop? Empêcher un monde d'utiliser de l'eau dans votre pays et me dépenser son job. But let me find out, c'est pas un. How you say job? Oh ok! L'aime dire ouais, c'est tout bon, vous aime crier. Après ça, me dire une photo et mettre un monde qui était 70 ans. Dans le canal là, moi dis qu'on ça comme jeune gens quand même pour supporter parce que canal là c'est nécessaire because agriculture mon planter ou faire manger whatever depuis que vous faire ça ça vit dans pays son problème. So, merci beaucoup. Canal là Wanamet et KPK qui sont pensés exactement. Bon, t'as des histoires. La BC suivre les de près. Juste que je pense que la diaspora a campé avec les gens qui sont souterrains parce que c'est un beau travail pour tout. Mais il faut que vous connaissiez que même là, nous voyons ici dans la diaspora, nous campé avec eux. C'est peut-être ça que je viens aujourd'hui pour me supporter. Parce que nous, toute notre diaspora, nous avons aimé Haïti changer. Nous avons aimé Haïti avancer. Nous sommes capables de nous voir dans le pays, nous même déjà tout le monde dans le pays. Donc, nous avons supporté. Ça va, c'est monsieur. Vous avez un petit parole, un petit commentaire sur l'activité canal. Le canal là c'est pour nous. Et je pense que nous supposons indépendants. Dans le pays, nous avons besoin de manger. Pour prendre égal, nous sommes obligés là pour nous supporter tout ça qui est en faveur d'Haïti. C'est ça, je pense que je dis. Merci madame. Amen. Madame, d'après vous, quelle implication diaspora a dans le dossier ça? Implication, bon, pas connaître parce que moi, je fais travail que. Qui fait nous fiers de notre côté, c'est la raison pour laquelle que moi là, soyons. J'ai à travailler de même, c'est professeur, je cherche un genre pour me supporter, ça qu'a fait Haïti, parce que je suis vraiment fier de travailler à faire, donc c'est ça qui fait me copier là, soyons. Merci, merci. On fait un message pour vous, pour mon Wanamet. On a continué à fouiller, on a besoin de distance encore. Le message là, simple, direct, le précis. Yeah. Et puis nous construisons nationaux sur combat, on essaye, et puis notre pays a développé. L'amour qui fait toute bagaille, l'amour seulement. On nous unit tête, on nous mettait tête ensemble, fermer nous dans la patte là, parce que c'est pas en graine, nous ne pouvons pas fixer les yeux seulement sur Wanamet, nous fixer les yeux sur tout le pays. Parce que le pays est supposé, toute petite vivre qui est à l'extérieur, est supposé réunir un seul côté dans l'amour pour vivre. Tout vent division c'est pour aller et tout côté gain vent division par l'amour c'est anarchie totale. On a commencé depuis là pour nous arriver dans le pays. Merci beaucoup. Parce que c'est la caille c'est la nouvelle. Tu vas perdre la caille. Moi rien au moins. Là on va équiper grand passer nous parce que ça son réalité. Nous prenons déjà soif toujours soif pays et puis nous là on a participé en frères et sœurs pour nous faire un travail pour Haïti avec vous continuer. D'après vous, qui implication diaspora a dans le dossier Haïti dans l'affaire canal?
dans le canal, c'est un dossier qui est très compliqué. Et moi, pourtant, moi, que tout le monde réunit, tout le monde rassemble pour qu'on mette les mains ensemble pour faire marcher. L'île pour nous lever tête, nous, pour nous faire dominicain et le monde entier connaît que haïtien pour gagner ça que les fierté dans tête nous et que nous mettons des problèmes, mais quand même, nous mettons les mains ensemble pour faire marcher. Là, nous, c'est diaspora, nous, là, nous, en support de nous. Et si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas avec nous, c'est pas sûr que circonstances, c'est comme ça, circonstances. Mais non que nous, espoir pour nous, c'est pour nous être capables là avec nous, main dans la main, pour nous être ensemble, pour nous faire travailler ça marcher. Donc, comme nous n'êtes pas là avec nous, nous-mêmes n'avons pas au support aux gens que nous sommes capables. Okay? So, si c'est support l'argent financier que nous avons envoyé, vous avez un bel message pour nous capables de connaître que des gens qui supportent nous, qui remet nous, c'est même haïtien nous. C'est message là. She's with me. Think about it tonight. Jolie fleur. Wanamet. Hello. Dis de moi Wanamet. Dis de moi Wanamet. Canal la pape campé. Ah bon, c'est pour Wanamet ou bien c'est pour Canal? Canal, Wanamet, tout ça. Oh, ok, Canal. La pape campée, je le dis. Okay. Comme elle vient de dire. Non, Canal, la pape campée, c'est pour ça. Canal, la supposée. Mon diaspora, la supporte. Yeah. Façon panneau. Ah, ok. La supporter façon panneau. Yes. Allez, vas-y. Ok, je trouve que c'est une très bonne initiative d'être sur la fundraising pour les gens qui sont là maintenant et qui continuent de travailler. Parce que les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de faire des choses avec eux. D'accord. Et qui implication de la diaspora a dans le dossier de la maintenant? Ah, c'est pour être entièrement impliqué là-dedans. Pour être capable de mettre toute coopération, essayer d'aider toute organisation qui a fait des choses pour aller vivre là-bas. Pour Haïti, pays sans sédio, c'est pour marcher main dans la main. Non, mi ton, ma feu, pour que tout être nous fait une seule matin. Les pour parler causer
Les mauvais jours passés, nous connaissons la vie pour dire manger, venir par nos zones. Donc nous souffrons la vie à nous dire haïtiens, à nous mélanger. Cause là, c'est cause de tout, à nous mettre main, à nous faire tout garder dans là. Où est poisson crasé dans le bouillon et qu'on a nommé des faits haïtiens? On dit des poissons crasés dans le bouillon. On dit des bananes crasés dans le bouillon pour nous faire picoler et pour nous faire ça. Dis l'école, moi, belle l'école, moi, mère, en pile en pile. C'est l'école, belle l'école, moi. Tout belle ma caille, tout si beau. C'est bon, c'est doublé, yeah.
belle Haïti totale. C'est le pays qu'on te dit. C'est le qui n'est nous mieux. C'est quoi le temps? Poisson croisé dans bouillon et qu'on a nommé de faire la haïtien. On quitte poisson croisé dans bouillon, on quitte banane croisé dans bouillon pour nous faire picoler et pour nous faire ça. Celles idées nous mêmes. Juste après les affaires nous. Bah c'est ça qui font pays grand. C'est là le gars qui les manger. C'est les petites qui gagnent l'école. C'est là qu'un bon université. C'est là qu'une valeur. Les mêmes des valeurs, les mêmes. Alors soyez. On va pas encourager. On va pas encourager les peuples haïtiens pour commencer par une responsabilité. Pour une responsabilité. Pour une responsabilité. C'est la fin de cette soirée qui a été réussie. Il y a un peu de monde qui fait déplacement, hein? Un peu d'entrée sautée. Et capable de dire qu'on était comme 300 personnes, peut-être qu'il était stable, mais il y a un peu d'entrée sautée. Il y a eu beaucoup de sponsors pour appuyer cette activité.
Et il faut également souligner la très bonne performance de Zafem. Zafem qui s'était préparé pour la circonstance. Original Kangé vraiment en très bon état de fonctionnement. Il y a eu beaucoup de speech également dans cette soirée, beaucoup de motivation, beaucoup de messages, beaucoup de sensibilisation. Et puis, autre fait à signaler quand même, c'est le fait qu'on sentit que Nagyo te prépare un répertoire spécialement pour soirée. Et c'était vraiment intéressant qu'on Nagyo a joué l'Embarre Soleil de M. Dodier. Et également au joueur Itizan Trahi de Sido. Et puis, moins un sentiment pour lui de Skacha. Bref, un paquet de musique qui parlait de Haïti, qui vantait richesse pays. Hein. Et puis, il y a eu beaucoup de messages de motivation pour Wanamet. Donc, somme toute, ça a été une soirée réussie. Et je pense sincèrement que les chiffres seront disponibles d'ici la semaine prochaine. Je voulais quoi que après marché ou bon l'argent à ce soir. Donc, compliment à toute équipe qui a organisé ça. Compliment également à l'équipe de classe hier qui était fêtée du côté de la Floride. Et puis, compliment à tous les artistes qui participaient sérieusement le mouvement Wanamet là avec un pile spontanéité, avec un pile courage. C'est le cas pour une dame de Kouane Alert qui totalement consacré à la cause haïtienne, à la cause de Wanamet. Donc, merci à nous tous qui t'avons gardé le reportage. Ça. On ne va pas être trop long pour conclure. Je vous dirais que ça a été une soirée réussie et c'est une soirée que l'ex-complexe et puis Alternative Plus ont eu un pile plaisir pour le porter le reportage ça pour nous. Alternative sans complexe, toujours présent là où l'action se passe. À bientôt pour notre prochain reportage.